espère de domaines qu'ils ne connaissent pas. Ils commencent de tout et de rien. Pasteur, maintenant moi je suis déjà licencié comme ça. Je ne sais plus quoi faire. Allez à l'INPP, mon cher. Apprenez comment faire les carreaux. Dans tous les cas, toute ton école de droit. Tu as payé les Minervans en étant commerçant. Tu étais plus commerçant que juriste. Mais tu avais besoin qu'on t'appelle maître pour l'honneur des parents. C'est fait, c'est bon, on t'appelle maître. Mais c'est maintenant de maximiser ton potentiel. Comment tu peux avoir, tu n'as pas honte de te convertir de païen en chrétien et tu as honte de te convertir de juriste en mécanicien. Les mécaniciens engagent des juristes. Votre potentiel, ce n'est pas votre diplôme. Les diplômes, vous ne devez pas aller apprendre pour devenir. Les études ne vous feront jamais devenir. On n'apprend pas pour devenir. On apprend parce qu'on est ça et on veut développer cela. Si vous n'êtes pas médecin, même si vous avez fait médecine, vous n'êtes pas dans votre plein potentiel. C'est pourquoi vous verrez toujours des gens durant toute leur vie. Ils ont utilisé leur don auxiliaire, mais non pas leur don principal. Informez-vous. Faites une certification, une formation, mais prenez la bonne connaissance qui va vous mettre les outils entre les mains. C'est étonnant. Et tu fais te marier. Et tu es une jeune fille. Oui, mais madame Mamoussa Kate. Oh non, la famille n'a pas besoin de s'arrêter. Moi, je suis une femme travailleuse. Je n'ai pas le temps. Maman, c'est sur YouTube. Tu vois? C'est toi qui ne veux pas apprendre. Ce n'est pas que tu manques le temps. Tu ne veux pas recevoir la connaissance adéquate. Mais tu, écoutez-moi, connaître la vie des autres ne change pas la tienne. Ne vous informez pas sur les autres, ça ne vous rendra pas habile. Hein? Écoutez ce que la Bible dit. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, sa place est au milieu de rois. Vous pensez que la première dame s'est fait les cheveux seuls? Elle doit choisir quelqu'un, non? Vous pensez qu'elle va aller choisir une débutante? Vous pensez que le président de la République se soigne lui-même? Il a un médecin, non? Pensez qu'il va aller choisir quelqu'un qui t'attend encore? Lorsque vous avez l'habilité, votre habilité a besoin de quelque chose qu'on appelle l'expérience. Pour que ça se transforme en compétence. Je suis en train de vous expliquer comment comprendre votre potentiel. Je dis que l'expérience apportée. L'expérience apportée quoi? La compétence. La compétence, c'est la qualité qui montre que la personne est capable de délivrer ce qu'elle promet. Ce que j'ai fait là, je sais le faire. Mais pour en arriver à dire ça, il faut que j'ai fait ça plusieurs fois. Atteindre l'expérience. Nous avons une génération bizarre. Des experts d'une fois. Des commentateurs des expériences qu'ils n'ont jamais vécues. C'est comment les mots difficiles là qu'on a sortis la dernière fois? Ultra, crépit, zionisme, quelque chose. Donc, la capacité que les gens ont à être experts de domaines qu'ils ne connaissent pas. Ils commencent de tout et de rien. Non, c'est pas vrai. Vous avez un problème, c'est un mot pour eux. Analyste politique. As-tu la compétence? Oh non. Frère, la compétence vient de l'expérience. Et l'expérience ne dépend pas du temps, mais de la fréquence. Fantastique, très bien. L'expérience ne dépend pas du temps. Elle dépend de la fréquence. Qu'est-ce que ça veut dire, Pascal? Je viens d'apprendre à conduire. En 2000. L'année 2000.
et on est en 2020. Quand je conduis en 2000, j'ai conduit 10 fois. Des choses qu'aujourd'hui je n'ai pas conduit. Il y a un jeune homme qui vient d'apprendre à conduire depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Il conduit tous les jours. Qui a plus d'expérience? Qui a plus d'expérience? Le jeune homme, n'est-ce pas? Pourquoi? C'est pas depuis quand il a commencé. C'est à partir du moment où il a commencé. Combien de fois il n'a pas cessé de le faire? Mais frère, dans la compétence vient aussi l'échec. On doit savoir combien de fois tu as fait, combien de fois tu as joué, combien de fois tu as pris de ton échec et combien de fois tu as médité.